Bonjour à tous, vous m'entendez? Toutes. J'ai conscience du caractère un peu surprenant parce que vous vous êtes inscrit pour un dialogue et en réalité, ça s'annonce pas comme un dialogue. Vous voyez, on est que deux. La troisième personne, donc Timothy Morton, a annulé pour des raisons de santé hier soir. Donc, heureusement, on a travaillé à exposer le propos de manière visuelle et la plus interactive possible tout de même avec Alexandre Lacroix. Donc, on a travaillé ensemble pour quand même se poser un peu cette grande question de savoir qu'est-ce que être écologique par comparaison, par opposition à la posture écologiste. Est-ce que c'est deux choses différentes? Est-ce que faire de l'écologie politique, de l'écologie d'ingénieur, de l'écologie d'économiste, c'est la même chose que se rendre compte de la place qu'on a dans le vivant à travers sa perception, notamment sa perception esthétique, sensuelle? Donc sensualiser l'écologie, je sais que c'est un peu bizarre comme titre, mais c'est un peu le projet qu'on va essayer de vous exposer aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, voilà, c'est qu'on laisse peut-être Alexandre se présenter rapidement et ensuite on commencera. Très bien, merci à tous d'être présents, merci à Pauline pour cette présentation. Donc je suis Alexandre Lacroix, je suis directeur de la rédaction de Philosophie Magazine qui est partenaire de cet événement, l'Université de la Terre. Je regrette beaucoup la présence, enfin l'absence plutôt de Timothy Morton évidemment comme vous, mais on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Quand même, il se trouve que du point de vue de la pensée écologique, moi je me suis beaucoup intéressé à un petit domaine de recherche très méconnu en France, qui est ce qu'on appelle l'esthétique environnementale. C'est un domaine, en fait, c'est un sous-domaine de la philosophie ou de la recherche en philosophie qui s'occupe de notre relation esthétique avec notre environnement. Esthétique est ici à prendre au sens le plus large du terme, c'est-à-dire qu'on va parler de nos sensations, de nos émotions, de nos représentations, de la manière dont nous nous rapportons au milieu que nous habitons ou que nous traversons. C'est donc un petit domaine de recherche qui est négligé souvent parce que l'esthétique a été spécialisée au XIXe siècle, notamment sous l'autorité de Hegel, comme étant la discipline qui s'occupe du beau artistique. L'esthétique, quand j'étais étudiant en philosophie, esthétique et philosophie de l'art, c'était une et même chose. L'esthétique environnementale s'occupe de notions aussi étonnantes que la notion de beau naturel, par opposition au beau artistique. Donc, qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une mise en relation des concepts de l'esthétique environnementale avec les paysages du XXIe siècle. Se demander comment nous pouvons nous rapporter au monde qui nous entoure, non pas en fantasmant le contact avec des forêts primaires, avec des grands espaces, avec une nature vierge et intacte, mais qui nous semble très loin, mais bien, il va bien s'agir d'essayer de réinstaller notre regard et notre sensibilité dans les lieux que nous habitons. Donc c'est pour ça qu'un parcours en images permet de développer ces idées. Et je vais essayer de vous inviter très souvent à intervenir sur ces images ou à intervenir à la fin de chaque partie pour qu'il y ait quand même du dialogue. Et du coup, alors il y a un petit aspect technique. Si vous voulez prendre la parole, vous avez la touche rouge qui vous permet d'allumer votre micro. Et à tout moment, ça permet d'intervenir sans qu'un micro se promène dans la salle. C'est assez souple. Voilà, donc... Quelques idées, mais d'abord, j'avais envie tout simplement de vous inviter à me dire ce que vous voyez dans cette image. Cette photographie a été prise par un photographe très talentueux qui était le photographe des stars. Vous connaissez très certainement des photos qu'il a faites de Stromae, des photos qu'il a faites d'Isabelle Huppert. Il avait un travail en recherche personnelle sur le paysage, moins connu, et il est mort au tout début du mois de novembre. Donc c'est aussi un peu pour lui rendre hommage que j'ouvre par cette photo qui me semble raconter pas mal de choses sur notre relation au paysage, au monde aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lisez dans cette image? Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, mais n'hésitez pas à... Oui, voilà. Bah, du coup, je vois le Mont Blanc... Et que l'homme s'est approprié à travers la création d'un chemin et d'un téléphérique. Oui, tout à fait.
Il y a un petit jeu, d'accord. Quand un micro d'accord. Quand un micro s'allume, il éteint ceux des autres. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Le plan, en fait, est inhabituel. Le plan qu'a choisi le photographe est inhabituel dans la mesure où il aurait pu faire une photo carte postale avec une vue sur le Mont Blanc. C'est pas tout à fait ce qu'il a fait. On ne sait pas très bien si ces promeneurs commencent, si c'est le matin et s'ils commencent leur promenade ou s'ils reviennent le soir. Mais en tout cas, il a laissé dans le champ de la photographie les remontées mécaniques. Et c'est ça qui nous inspire peut-être des sentiments un petit peu mêlés, puisque est-ce qu'on a envie d'être à la place de ces promeneurs, par exemple ? Est-ce qu'on peut se projeter volontiers dans cette situation ? Oui, moi, pour les remontées mécaniques, mon regard est allé direct dessus et j'avais l'impression de voir les soucoupes de la guerre des mondes. Les soucoupes de la guerre des mondes, oui. Donc, quelque chose comme une rencontre d'univers ou une rencontre de temporalité. En fait, on n'est pas tout à fait dans le même temps. On sent qu'il y a le temps de la montagne qui est un temps géologique, qui est un temps très, très ample. C'est le temps de ces éboulis, c'est le temps de cette façade, de cette falaise. Et puis le temps des remontées mécaniques, qui est celui peut-être des vacances, de l'hiver, des activités cycliques de l'homme, mais aussi des loisirs du XXe siècle, qui, tels qu'ils se sont développés dans notre civilisation des loisirs, très industrialisée. Oui. Alors, au-delà de l'artificialisation qui arrive même jusqu'au sommet des montagnes, qui est un peu triste, on voit effectivement deux temps. Pour moi, il y a le temps de ceux qui veulent aller vite et qui utilisent des moyens mécaniques et nécessitant de l'énergie, et puis ceux qui prennent le temps de profiter du paysage en allant lentement et même en étant tout petit au sein de la nature. Oui, c'est ça qui est intéressant dans cette image, c'est la démarche de ces personnages. Ils sont petits par rapport à la montagne, ils sont dans une position d'humilité, pas dans une position de domination, hein, contrairement aux remontées mécaniques. Et on a l'impression, étant donné qu'ils ont les mécaniques dans le dos, qu'ils essayent de s'extirper, enfin de s'extraire de la civilisation industrielle, qui est la nôtre, pour trouver un point de contact avec le non-humain, avec le monde de la montagne, avec de l'intouché ou de l'assez préservé. Et c'est ce qui rend, enfin, c'est ce qui donne une dimension un peu poétique à cette image. Le chemin, vous en pensez quoi de ce chemin ? Mais on ne peut pas exclure qu'ils... ce que j'allais dire, c'est comme ils descendent, on pourrait imaginer effectivement qu'ils sont juste, qui viennent de descendre du télésiège et que les deux ne sont pas forcément incompatibles aussi. C'est pas incompatible. Étant donné que les fauteuils sont vides, si on veut vraiment se perdre en supposition ou en spéculation, on peut se dire qu'elle est peut-être à l'arrêt et qu'elle ne sert que l'hiver. On ne sait pas très bien. C'est comme, est-ce que c'est le matin ou le soir ? Là, tout est question d'interprétation. Bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette image ? Est-ce qu'on en a épuisé le sel ? Moi, il me semble... C'est une image intéressante, c'est une image inhabituelle en fait, c'est une manière de photographier le monde contemporain qui prend en compte l'activité humaine et les traces qu'elle dépose. Et du coup, ça va me permettre de lancer quelques questions ou interrogations que j'ai toujours autour de ce sujet. Les réflexions que je vais vous présenter ici sont issues d'un travail, d'un essai récent qui s'appelle « Au cœur de la nature blessée ». Et cet essai commence par le récit d'une expérience qu'on a tous faite. Ce qui est assez amusant, c'est que j'ai trouvé chez Olivier Medger une sorte de contre-exemple par rapport à cette expérience. L'expérience est la suivante. Vous êtes en montagne ou au bord de la mer, en tout cas dans un paysage naturel qui vous plaît, qui vous séduit. Et vous vous apprêtez à faire une photographie, seulement il y a un pylône, un poteau électrique qui est dans le champ de vision. Alors que faites-vous avec votre téléphone portable ? Eh bien, vous esquivez le pylône, c'est-à-dire que vous cadrez de telle manière que ça n'apparaisse pas et vous créez une image qui vous paraît meilleure, plus esthétique, plus belle. Cette image, vous allez la partager peut-être sur Facebook, Instagram ou avec tout simplement des amis ou la garder en mémoire. Et c'est un petit forfait, ça n'a pas l'air grave, mais si on y réfléchit de manière plus systémique, on peut se dire que nous sommes tous en train de truquer les représentations de la nature que nous mettons en circulation. En fait, que c'est un peu comme les propagandistes de l'ère soviétique, si vous voulez, qui caviardaient les photographies quand un membre du parti était tombé en disgrâce. Nous faisons la même chose à grande échelle. Il suffit d'aller
je sais pas, dans des bureaux à la Défense, aller dans un open space, vous verrez les fonds d'écran des ordinateurs. C'est riche d'enseignements, des torrents merveilleux, des rochers, des forêts superbes. Et tout ça est intouché, tout ça est préservé, tout ça est miraculeusement intact. Donc nous entretenons une vision complètement fantasmée de ce que nous appelons la nature. Alors évidemment, ça nous dissuade beaucoup d'agir, ce fantasme ou cette mythologie que nous entretenons, parce que tant que nous pensons ou que nous nous confortons dans l'idée qu'il existe d'immenses réserves de nature intactes, intouchées, en fait, tout va bien. En un sens, c'est juste que pour le temps présent et dans notre action présente, nous sommes un peu coupés de ces environnements, mais nous pensons qu'ils existent. Seulement, nous les truquons tous un petit peu. Alors, Olivier Metzger, toujours dans sa démarche photographique que je trouve intéressante et réaliste, de même qu'il a réintégré la remontée mécanique, on voit ici qu'il n'esquive pas le poteau électrique. Et ce que nous dit aussi cette image, c'est que si jamais on intègre le poteau électrique, on n'a pas forcément face à nous de la laideur ou quelque chose de repoussant. On a au contraire un monde ambivalent, un monde en demi-teinte. Et c'est ce monde-là que nous habitons et que je vous propose d'explorer avec quelques outils philosophiques. Alors, en effet, maintenant précisons un petit peu les concepts ou les enjeux. Nous avons très souvent tendance à raisonner selon l'opposition conceptuelle entre nature et culture, comme s'il y avait exclusion mutuelle entre nature et culture. C'est une opposition conceptuelle qui s'est mise en place au début de la modernité, au début de l'époque moderne, avec peut-être Descartes dans le discours de la méthode, 1637, ça peut être une date à retenir. Et nous avons construit beaucoup de choses dans notre civilisation industrielle autour de cette opposition entre nature et culture. Tant et si bien qu'au début de la modernité est né un projet qui est un projet d'arraisonnement, d'exploitation, de maîtrise de la nature. Descartes dit que le projet serait de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Alors on débat souvent sur ce comme qui indique bien que ce n'est pas une domination peut-être complètement brutale, c'est comme maître et possesseur de la nature qu'il entend. Ce qu'il entend par là, c'est notamment le fait que par la science et la technique, nous devons nous donner les moyens de prolonger l'espérance de vie humaine. C'est un projet médical, c'est aussi un projet de domination des énergies qui sont dans la nature et qui circulent. Et on voit que ce projet a presque trop bien réussi, en fait. Aujourd'hui, en 2022, ce qu'on peut dire, c'est que ce projet par lequel la modernité se lance ou débute a si bien réussi que nous sommes presque devenus les esclaves de notre domination par un inversement curieux. Nous ne savons plus comment nous sortir d'une situation où, par exemple, notre activité ou notre excès de maîtrise ou notre production d'énergie crée des dégâts climatiques. Alors, dans la littérature écologique, telle que vous la lisez, que vous l'aimez peut-être, il y a une sorte de consensus qui est en train de s'installer sur le fait qu'il faut chasser le mot de nature, ne plus l'employer. Parce que employer le concept de nature, c'est se référer à cette opposition frontale entre nature et culture qui a été posée au début de la modernité. En fait, c'est la reconduire, en quelque sorte. Et c'est vrai que je suis un peu réticent quant à l'élimination du mot de nature, et je vais faire un plaidoyer minoritaire. Je fais partie des quelques personnes qui pensent qu'il faut le maintenir, ce mot de nature. Alors, le mot de nature accusé d'être responsable ou lié à un projet d'exploitation, une fois qu'on le chasse, en fait, c'est vraiment un sujet dont j'aurais aimé parler avec Timothy Morton. Je l'ai rencontré il y a quelques temps, je l'ai interviewé, j'ai échangé par mail avec ce sujet, on n'est pas d'accord. Lui, il pense même que quand on emploie le mot de nature, il y a quelque chose de droite ou voire de... En gros, son argument, lui, c'était, oui, mais on n'a pas cessé de traiter les homosexuels d'antinature. Vous voyez que le mot de nature a toujours été normatif. Il a toujours été excluant. Il a toujours été impérialiste. Il a toujours été machiste. Bon, moi j'ai l'impression que si on commence à éliminer de notre dictionnaire, mais il n'est pas là, donc je vais pouvoir l'attaquer tout seul, tranquillement. mais j'ai l'impression que si on commence à vouloir nettoyer le dictionnaire de tous les mots qui ont donné lieu à de mauvais usages ou qui ont servi à des projets d'exploitation, on va en éliminer pas mal. Le socialisme est déshonoré par le national-socialisme, ne serait-ce que par cet exemple. Démocratie a servi à toutes les sauces, y compris aux démocraties populaires qui n'étaient pas tout à fait démocratiques. Au fond, on va expurger le dictionnaire de presque tous les mots. Donc, l'idée qu'un mot, parce qu'il a mal servi, devrait être éliminé ne me paraît pas convaincante. Par ailleurs,
Il me semble que quand on veut maintenir l'usage d'un mot, ce qu'on peut faire en philosophe, c'est essayer de cerner sa définition, de la réactualiser, en fait, de redéfinir ce mot. Et si on veut redéfinir le mot de nature, on peut le faire aujourd'hui en se disant que finalement, nature et culture seraient plutôt, non pas à prendre comme deux pôles d'une opposition en exclusion mutuelle, ce qui pose plein de problèmes hein, d'ailleurs, parce que l'homme, c'est où là-dedans? On est seulement dans la culture? Oui, mais on est des animaux. Darwin est arrivé depuis Descartes, donc on sait bien que nous sommes une espèce de grand singe un peu particulière. Donc on est où, nous, entre nature et culture? Moi, ce que je vous propose de considérer, c'est que nature et culture sont plutôt comme des pôles de l'expérience. Si vous voulez écouter de la musique et que vous tournez complètement le son vers le moins, c'est le silence, vous n'écoutez pas de musique. Si vous le mettez à fond, c'est tellement assourdissant que vous n'écoutez pas de musique. C'est dans un entre-deux qu'on se situe. En fait, dans nos environnements, dans nos paysages, nous avons affaire à des mixtes de nature et de culture en permanence. Ici, vous pouvez dire, tiens, on est dans une salle, c'est plutôt un environnement très artificiel, très artefactuel. On a l'air, il semblerait bien que ce soit dans la culture, oui, d'accord. Mais nous sommes une bande de grands singes, comme je viens de le dire. Enfin, désolé de vous rappeler à cette réalité biologique. Et par ailleurs, l'air que nous respirons est fait d'éléments naturels, mais on pourrait dire aussi qu'il y a une sacrée population de microbes, de virus, enfin je ne veux pas vous faire peur ni vous faire partir, mais il y a plein de choses organiques dans cette salle. On n'atteint jamais un niveau qui serait 100% artificiel, de même qu'à l'inverse. Quand on est en montagne, on n'atteint jamais un niveau qui serait 100% naturel, puisqu'il y a des chemins, il y a des plantes qui ont été introduites ou modifiées par l'activité humaine. Les paysages sont façonnés par la main de l'homme. Et puis, le kérosène que les avions balancent dans le ciel se dépose un peu partout, ainsi que les retombées de certaines particules radioactives dues aux essais nucléaires en milieu aérien pendant la guerre froide. En tout cas, il y a un peu partout des modifications introduites par l'homme. Le climat. Comment ? Mais non, c'est juste se dire, se réinstaller à la fin. Non, à la fin, il y aura de l'espoir. Non, l'idée, c'est de se réinstaller dans un monde où l'on accepte qu'on est confronté à un mélange de nature et de culture. C'est réinstaller le regard de manière lucide dans notre monde actuel. Arrêter de construire des oppositions un peu mythologiques. Vous voyez, c'est ça l'idée. Alors, il y a un groupe de chercheurs de l'Institut Weizmann de Jérusalem qui a fait un calcul bizarre et amusant. Ils se sont amusés à calculer quelle était la masse totale de la matière vivante sur la Terre et quelle était la masse totale de la matière manufacturée sur la Terre. Par matière manufacturée, ils entendent aussi l'UNESCO, les ponts, les usines, les machines. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'on venait de passer l'égalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, depuis 2020, il y a autant de matière manufacturée que de matière vivante sur Terre. 1,1 teratonne. Alors, si on rentre un peu dans le détail du calcul, on compte en gigatonnes, c'est-à-dire en millions de tonnes, ça va plus vite que d'aligner beaucoup de zéros. Moi, il y a des chiffres dans leur calcul publié dans Nature qui m'ont frappé. Le chiffre sur les animaux, tous les animaux pèsent 4 gigatonnes, mais le plastique pèse plus lourd, 8 gigatonnes. Alors, c'est un peu farfelu, hein, c'est un peu de la pâte à physique, mais en même temps, ils justifient toute leur méthodologie. Le calcul est assez intéressant à suivre. C'est pas publié dans Nature pour rien. Et puis, les arbres pèsent 900 gigatonnes et les bâtiments 1100 gigatonnes. Donc quand je vous parle d'un mixte de nature et de culture, c'est pas simplement quelque chose que moi je fantasme, je peux aussi m'adosser à ce type de calcul. Oui, c'est un mélange, c'est entrelacé dans le monde actuel. On est compté dans les animaux ? Comment ? Alors, je pense pas. En fait, c'est une bonne question, sachant que, par exemple, la masse des humains est relativement négligeable par rapport à celle des nématodes, par exemple. Les nématodes, c'est les vers de terre ou vers marins, d'ailleurs, parfois, qui sont très supérieurs à nous, puisque c'est en millions de milliards qu'il faut les compter sur la Terre. Voilà pour ce calcul. Il me semblait que cette situation bizarre était représentée par cette photo de Doisneau. Alors, Doisneau, on lui a commandé des photos sur la banlieue. Il y a aussi quelque chose que je voudrais dire. Quand je vous dis que le paysage ou les environnements que nous habitons sont un mixte de nature et de culture, on peut avoir une vision naïve et de se dire, oui, ça veut dire que certains objets sont artefactuels, par exemple cette bouteille, et d'autres naturels, comme l'eau qui serait dans la bouteille. Cette vision, elle est fausse. En réalité, beaucoup d'objets sont eux-mêmes des hybrides. Ces fleurs, par exemple. S'il n'y avait pas eu l'horticulture, les jardiniers, les boutures, les actions humaines, elles n'existeraient pas. Les vaches, à l'état sauvage, ça n'existerait pas. On aurait des aurochs ou des bisons, mais pas des vaches. Et donc, ça veut dire que beaucoup d'entités elles-mêmes que nous côtoyons
ça va des fleurs aux arbres, aux végétaux, aux animaux, sont des mélanges de nature et de culture. Vous voyez, donc ça nous invite, ces quelques considérations un peu évidentes, en fait, nous invitent à quand même revisiter nos paradigmes. Alors, autre chose qui a changé, c'est la relation entre permanence et impermanence. Peut-être certains d'entre vous ont-ils vu le joli film consacré à Jim Harrison. Si vous êtes là, c'est que l'écologie vous intéresse. Enfin, j'imagine un peu. Ouais. Et seule la terre est éternelle. C'est une parole de l'Ecclésiaste, hein, en fait. C'est pour ça que c'est un beau titre. C'est inusable, l'Ancien Testament. Alors, dans l'Ecclésiaste, il est écrit une génération s'en va, l'autre arrive, seule la terre demeure ou seule la terre est éternelle. Il y a plusieurs traductions. Et le vécu majoritaire d'Homo sapiens, notre espèce a 300 000 ans, le vécu majoritaire, enfin à ce qu'on sait, le vécu majoritaire de notre espèce est celui d'une vie un peu humaine, un peu éphémère, qui ne fait que passer, confronté à des éléments qui, eux, sont là pour durer, ne serait-ce que les arbres, mais le ciel, mais la mer, les montagnes, figurent pour nous une espèce d'éternité dans laquelle notre vie serait éphémère. Eh bien, cette relation-là, où nous sommes du côté de l'impermanence et la nature à ne pas prendre comme une essence, mais à prendre comme un pôle de l'expérience, hein. Mais la nature, elle, serait du côté de la permanence, eh bien, cette relation est en train de s'inverser. Ce que nous vivons, c'est que notre vie humaine a plutôt, notre espérance de vie en bonne santé a plutôt progressé, donc nous vivons, nous pouvons espérer vivre 80 ans, et par contre, nous vivons dans des environnements qui changent plus vite que nos vies. L'impermanence est passée du côté de la nature. Ce que je veux dire par là, c'est que, prenons un calcul simple, tiens, pour consolider l'envie de se pendre qui commence à naître. Hein, je suis né en 75. L'indice planète vivante du WWF nous dit qu'entre 1970 et 2019, 69% des vertébrés terrestres ont disparu. C'est un indice sérieux, il n'est pas contesté par les lobbyistes, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse en sciences. Ça veut dire qu'en fait, depuis que je suis né, depuis 1975, 3 animaux sur 4 sont morts. Donc, et je ne suis pas très vieux, enfin, je ne suis pas tout jeune non plus, mais je ne suis quand même pas encore un vieillard. Ça veut dire que quand même, ça va vite. Quand je vous parle d'une impermanence qui est du côté de la nature, il y a une érosion de nos écosystèmes, une érosion de la biodiversité qui progresse vite. Et mon regard qui n'a pas changé, en fait. Le regard de l'enfant est toujours un peu là, même si je vieillis un peu. Et mon regard change peu. Par contre, beaucoup de choses ont changé autour de moi. Et ça, c'est un vécu commun et c'est un vécu que nous avons du mal à penser. Le climat, par exemple, les cycles saisonniers figuraient une forme de stabilité. Ben, ce n'est plus le cas. On voit bien que ça va vite. Ça va vite. En 10 ans, des étés indiens comme celui que nous venons de vivre, des étés aussi caniculaires coup sur coup toutes les années, bah, ça commence à faire beaucoup d'événements exceptionnels. Alors, comment appréhender cette situation un petit peu nouvelle ? De plusieurs façons. Moi, je vous dis que je vais m'occuper beaucoup d'esthétique, un peu de politique aussi, mais beaucoup d'esthétique. Une piste de réflexion que je voudrais vous fournir, et c'est la piste suivante. Ce paysage, si vous enlevez le poteau mentalement, vous n'auriez pas fait cette photo-là, vous auriez fait la photo sans poteau. Mais, sauf qu'après cette conférence, vous ne prendrez plus des photos de la même manière. Vous allez vider votre compte Instagram de tous ces, de toutes ces fréquentations. Alors, en fait, si on enlève le poteau, on est face à un paysage qui figure, lui, une forme d'impermanence, parce que c'est la ligne d'horizon, l'océan, le sable, c'est très stable. Et on peut dire que ce paysage-là, sans l'homme, il est pris dans des cycles qui sont les cycles géologiques, les cycles des marées, les cycles lunaires. On est dans le temps du cosmos, hein, vraiment, c'est-à-dire on est dans un temps très étal. Et en fait, dès qu'on pose un élément de la civilisation humaine, là on pose un poteau, vous voyez, en termes de pollution effective, c'est sans doute pas grand-chose. Je veux dire, un poteau, pas de poteau, ça change pas grand-chose.
On peut même dire que ça pourrait servir de perchoir pour les oiseaux. Donc, ce n'est pas très nocif, cette affaire. Par contre, ce qui se passe, pour notre regard et pour notre sensibilité, c'est que le paysage a basculé dans l'histoire humaine. C'est-à-dire que nos artefacts le datent. D'abord, tout ce qu'on construit s'abîme, ça rouille. Nos machines, en fait, si on ne s'en sert pas 3 à 6 mois d'une de nos machines, elles ne marchent plus. Elles s'enlisent. Nos bâtiments, si on ne les entretient pas, tombent vite en ruine, en moins d'une génération. Et donc, en fait, tout d'un coup, c'est notre finitude humaine ou c'est notre histoire humaine que nous projetons sur le paysage. L'histoire humaine, c'est une histoire de tentatives successives de domination du monde, mais aussi de chute et de décadence. Et ce que nous projetons, c'est ces tentatives que nous avons de construire des objets qui durent ou qui ne durent pas ou qui ont une fonction et puis qui, à un moment, s'étiolent et tombent. Et donc, c'est ça que nous modifions. Tout d'un coup, le paysage, il tombe dans notre histoire. On pourrait dire, si on voulait employer un terme un tout petit peu savant, le moindre élément humain, le moindre élément industriel historicise le paysage. Le fait tomber dans notre histoire. C'est ce qui fait que si certains d'entre vous ont bivouaqué ou fait des marches loin dans la nature, quand on reprend contact avec la civilisation, c'est-à-dire quand on sort des zones très préservées, qu'on commence à voir une route, une maison, une voiture, en fait, loin de nous réjouir, il y a quelque chose comme, on vit quelque chose comme une agression, parce que ce que ça nous met sous les yeux, c'est notre mortalité en quelque sorte. C'est la vanité de toutes nos tentatives pour construire quelque chose. C'est notre propre mort en fait que les objets nous mettent sous les yeux. Alors il y a encore de la poésie à prendre là-dedans, puisque non, mais je pense parce que il y a encore une forme de poésie dans ces objets qui se détériorent. Il y a une poésie des ruines. Ça me paraît tout à fait indéniable, y compris des ruines industrielles, y compris des épaves. Donc il y a une forme de poésie. Cependant, on a perdu un petit peu en sentiment d'infini. Voilà. Alors ça, c'était une réflexion. Enfin, ça vient conclure ma première partie. C'était quelques réflexions que je voulais vous proposer de manière introductive. Peut-être qu'on peut faire des pauses et pas mettre toutes les questions, les réponses à la fin. J'aurais sans doute pas le temps de vous dérouler toutes mes slides, mais... C'est pas grave, Morton n'est pas là. Je peux m'étaler un peu. Ouais. Bon, enfin, je ne sais pas si ça vous évoque des questions, des réactions. Je ne voudrais pas vous plonger dans une éco-anxiété ou un profond désarroi. Ce n'est pas le but. C'est juste essayer de donner des outils pour ajuster le regard au paysage dans lequel nous vivons. Moi, j'ai peut-être une question pour vous. Est-ce que c'est une manière courante de parler d'écologie ? Que t'as affiché quelques chiffres, on a vu au début, mais c'est assez. Je me demande en fait si vous êtes intéressé par l'écologie, c'est quelque chose qui vous touche. Est-ce que vous faites autre chose que lire des rapports et des prédictions chiffrées, par exemple ? Enfin, est-ce que c'est une manière courante d'aborder les choses par l'image et par la photographie dans votre pratique ? Pas trop. Enfin, oui. Ouais. Oui, alors si je peux me permettre, déjà je trouve que c'est extrêmement rafraîchissant d'avoir cette approche parce qu'effectivement on entend beaucoup d'experts, d'ingénieurs, d'économistes, de financiers qui peuvent se positionner sur les enjeux de l'impact humain sur l'ensemble de nos écosystèmes. Mais on oublie finalement, et je trouve que l'approche que vous avez est finalement presque fondamentale et un peu trop oubliée malheureusement. Parce qu'en fait, c'est par l'essence qu'on se reconnecte au vivant aussi, et à la nature et à notre environnement. Et ça nous permettrait peut-être de sortir aussi d'une certaine forme de romantisation du rapport à la nature, un peu idéalisé. Ceux qui ont essayé de faire des retours à la Terre peuvent leur en témoigner. C'est mon cas. Hein. C'est pas toujours évident. J'ai vécu 6 ans à la campagne après mes études, oui, tout à fait. Voilà, donc je trouve que c'est... vous touchez du doigt quelque chose qui mériterait d'être beaucoup plus exploré, mais malheureusement, qu'on ne fait pas assez. Ben merci. Effectivement, c'est ça l'idée. Vous avez vraiment saisi le cœur de la démarche. C'est que quand on lit un rapport du GIEC, c'est chiffré, il y a des scénarios, mais en fait, si on n'a pas de compétences de chimiste ou de géologue ou de climatologue, on est vite dépassé, on ne sait pas très bien en fait ce qu'on lit. Et surtout, c'est un registre de discours qui a partie liée avec le discours technocratique ou le discours de l'expertise en général. Et il me semble que si on veut que l'écologie prenne un peu souche et engage des actions, le passer par le sensible est une piste très intéressante. Ne serait-ce que parce que quand vous vous trouvez avec un cadre d'une multinationale à déjeuner et qu'il est dans une activité polluante,
si vous commencez à lui parler d'écologie politique classique, il va y voir une forme d'ennemi politique. Si vous lui demandez où il passe ses vacances et ses week-ends, là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que ce qu'il valorise quasiment le plus comme expérience, ce n'est pas tellement d'aller dans les musées, c'est plutôt dans les forêts, pour l'un de faire des trails, pour l'autre d'avoir une île grecque préservée, au fond des grands espaces, de l'air, de l'eau dans laquelle on peut se baigner. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y tient. Mais alors, si on y tient, et si on y tient tous, est-ce que par le sensible, on ne pourrait pas s'unir ? C'est-à-dire, est-ce qu'en passant par là, on ne pourrait pas partir d'émotions communes plutôt que de partir d'un échiquier politique, si vous voulez, et de confrontation politique ou d'expertise ? Est-ce qu'on ne pourrait pas partir d'émotions communes ? Parce que dans l'émotion, on entend le mot moteur, se mouvoir. Est-ce qu'on ne pourrait pas partir d'émotions communes pour agir ? Voilà. La piste de l'esthétique, ça permet, si vous voulez, de c'est une autre manière de faire, c'est une autre manière d'aborder ces enjeux. Et au fond, il me semble qu'il y va un peu de notre humanité commune quand on parle d'esthétique. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions d'ailleurs. Ou... Ouais. Moi, l'autre jour, j'écoutais une émission d'une femme qui parle aux jeunes enfants de l'écologie. Elle a utilisé un terme que je ne connaissais pas qui s'appelle l'amnésie générationnelle. Et ça me faisait un peu penser à ça, que cette nature, elle n'est pas du tout immuable et que nos enfants, si on ne leur dit pas qu'en fait, il y avait 5 fois plus d'animaux avant qu'aujourd'hui, que quand on faisait de la voiture, le pare-brise était couvert de moucherons, pour eux, la nature serait à l'image de ce qu'elle est aujourd'hui de leur vivant. Et je trouve que c'est là où nature et culture, ça devient difficile. C'est-à-dire qu'elle expliquait que du coup, si on veut développer leur sensible à cette nature que nous, on a connue, il va falloir leur raconter. Alors, leur raconter, c'est un point très intéressant et très débattu, hein, la question de l'amnésie générationnelle. En fait, quand on parle d'esthétique, à mon avis, et de ce qu'on ressent, on est presque déjà en train de tracer des scénarios différents pour l'avenir. Pas des scénarios du GIEC, mais des scénarios du sensible. Et il en existe 2 différents. Soit vous dites que chaque génération saisit son environnement à un certain niveau de dégradation et s'en accommode. Et en fait, perçoit comme pas trop grave la dégradation de l'environnement à laquelle elle assiste, tout en cédant à la génération suivante un environnement dégradé. Vous voyez, on aurait par palier une dégradation successive. Et ça, c'est un scénario possible, c'est un scénario dystopique. On se retrouverait à la fin tous dans des espèces de bulles climatisées sans même s'être rendu compte de ce qui s'est passé. Au fond, c'est le scénario d'une coupure anthropologique qui irait croissant. Coupure anthropologique vis-à-vis de l'environnement, parce que nos sens en sont éloignés. En ville, on a de la lumière électrique, on a du chauffage. Au fond, on ne ressent pas tellement l'environnement. On ne touche pas les plantes, on ne touche pas le sol. On a peu de contact avec les animaux sauvages. On pourrait se dire que cette coupure, ce fossé en fait, entre l'homme et la nature, pourrait aller se creusant. Vous voyez, une distension continue. Ça, c'est une piste. Moi, il me semble aussi que peu, à condition peut-être de se donner quelques moyens du point de vue éducatif, on peut peut-être inverser cette idée d'une dégradation successive et au contraire encourager des relations, en fait, des relations vécues, hein, des relations authentiques, pas simplement valoriser l'écologie, mais encourager des relations entre les enfants et la nature. Un gros enjeu en termes d'éducation, mais je pourrais m'étendre là-dessus, mais c'est la question des écrans. C'est la question des écrans, puisque valoriser une expérience du monde écologique, c'est valoriser, cette fois-ci écologique au sens le plus simple du terme, c'est valoriser un contact direct avec l'environnement. Pas voir un arbre sur un écran, mais voir un arbre en vrai, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà. Bon, quelques pistes, je vais y revenir. Je sais pas si j'aurai le temps de tout dire, mais je pensais y revenir à la fin, à cette question des scénarios et de la manière dont l'esthétique est liée à des scénarios d'avenir différents. Alors, comment vivre la fin du monde ? Oui, alors, je vais creuser l'aspect noir encore un petit peu de cette conférence. On attend la fin, madame. Non, il n'y a pas que ça. Non, mais sur cette deuxième partie, d'ailleurs, je vais peut-être sauter quelques éléments pour les âmes sensibles. Non, je plaisante. Non, alors, en fait, de même que je vous disais que les environnements se dégradent à l'échelle d'une vie humaine, au fond, nous avons tous une expérience commune, nous avons des expériences de deuil de lieu. Les deuils de lieu, c'est quelque chose d'un peu inévitable si on a 30 ou 40 ans. Ça veut dire que des lieux dans lesquels vous avez joué enfant et qui comptaient pour vous ont disparu. Enfin, pour moi, par exemple, un deuil de lieu, il y avait dans la maison familiale du Poitou, en face, il y avait un pré à moutons.
Quand je passe par là, je suis toujours un peu choqué parce qu'il y a des lotissements, alors des maisons avec des crépis roses, champagne, etc. à la place des moutons. Bon, y avait des poiriers, il y avait quelques arbres et tout. Tout a disparu. J'allais souvent le soir voir les moutons qui m'amusaient quand j'étais petit parce qu'ils étaient extrêmement peureux. Et donc ils creusaient des petits sentiers dans l'herbe. Bon, ça a disparu. Au fond, c'est pas très grave. Mais on a des deuils de lieux et ce sont pas forcément liés à des phénomènes cataclysmiques. On peut avoir des deuils de lieux qui peuvent, enfin évidemment, il y a des deuils spectaculaires. Si dans le bois où vous étiez en train de jouer, on a mis une centrale nucléaire, c'est sûr, ça c'est un gros deuil de lieu. Mais au fond, il y a plein de deuils qui sont des deuils un peu en demi-teinte, comme là le lotissement, c'est pas grave, c'est comme des arbres où vous aimiez grimper, qui ont été tronçonnés. Au fond, on voit bien que se construisent autour de nos villes, de nos petites villes, de nos villages. Des environnements un peu comme celui-ci qu'a photographié Depardon, qui lui n'évite pas ou évite rarement le pylône dans la photo, pour ceux qui connaissent son travail. C'est mitigé, quoi. C'est là, c'est pas très grave. Là, il y a une zone industrielle, on sait pas très bien, quelques lotissements. Et on scoltine un peu cette perte tout seul. Parce que contrairement au deuil de personne, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de discours collectif sur ce type de deuil. Et au fond, ça pourrait être une tâche pour la philosophie qui s'occupe d'environnement, ou en tout cas pour l'esthétique environnementale, que d'en parler. Le tout premier, d'ailleurs, à avoir jeté un cri qui correspond à une souffrance de deuil, c'est Platon. Un des tout premiers textes qui participe d'une sorte de prise de conscience écologique, bien que le mot d'écologie à l'époque n'existe pas et que le concept de physis des Grecs soit en fait très éloigné de notre mot de nature, de notre concept de nature. Platon, en fait, dans le Critias, il y a un moment comme ça où il y a une sorte d'exclamation, de cri du cœur chez Platon. Il semble pleurer sur la disparition des forêts qu'il y avait autour d'Athènes. En fait, dans les monts Attiques, il y avait des forêts. Les besoins de bois d'Athènes, à la fois pour la construction mais aussi pour la flotte navale et les aventures militaires, ont fait qu'Athènes a dû importer du bois dès le 4e siècle avant Jésus-Christ. Il n'y avait plus de bois en fait autour, ils avaient tout coupé. Et ce que dit Platon, c'est que là on avait des belles forêts, on n'a plus que des broussailles tout juste bonnes à mettre des abeilles pour faire du miel, dit-il. C'est intéressant parce que sa description est très précise. Il parle vraiment d'une roche blanche, pelée, etc. Il renvoie par la précision de sa description à quelque chose qui fait beaucoup de débat chez les historiens de l'Antiquité, qui est l'ampleur de la déforestation de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'en Méditerranée, il y a eu, enfin, à travers les différents empires, les différentes cités et leur politique de puissance, il y a eu des déforestations si massives qu'on leur doit en fait ce à quoi ressemblent aujourd'hui les paysages de Méditerranée, c'est-à-dire en fait la couche de karste, le calcaire a été mise à nu, les forêts ont été enlevées et ça renaît pas en fait, l'humus ne renaît pas, on n'a pas vraiment de forêts à l'identique. Et il semblerait que ce fait qu'on se dise, tiens, la Grèce, ça a l'air un peu pelé, ça a l'air un peu nu souvent, mais on peut dire ça de certains endroits de l'Espagne, on peut dire ça de la côte, évidemment, du Maghreb, il semblerait que ça soit lié aussi en partie à l'emprise de l'homme. Gros débat, gros sujet, je ne suis pas capable de le trancher. Y a un personnage qui a proposé, un philosophe qui a proposé un concept pour parler des deuils de lieu, qui est le concept de solastalgie. Vous connaissez peut-être, pour certains ? Alors, je ne vais pas énormément m'y attarder, parce que Glenn Albrecht, il est fort d'avoir proposé ce concept, ce néologisme, en 2005. Il s'est mis à proposer des tas de mots, des tas de néologismes, et il nous encombre de toutes sortes de mots bizarres. Il aurait dû s'en tenir à son intuition initiale. Solastalgie, ça va, c'est très bien. Alors, de quoi ça parle, la solastalgie ? Tout simplement, c'est la tentative de nommer le chagrin qu'on éprouve quand on vit un deuil de lieu. C'est une tentative en fait qui est liée pour lui à l'exploration d'une vallée qui s'appelle l'Upper Hunter Valley, qui on est en Australie, hein. Lui c'est un philosophe australien, et il avait lu des descriptions merveilleuses de cette vallée par des ornithologues du 19e siècle, le couple Gould. Il s'est rendu sur place et il s'est aperçu que en fait c'était devenu une zone d'exploitation minière avec des carrières à ciel ouvert. D'ailleurs, c'est en Australie qu'il y a parmi les premier exportateur d'acier, si je ne me trompe pas, à l'Australie. C'est en Australie qu'il y a parmi les machines d'extraction les plus grosses au monde.
qui ont la taille d'immeubles, hein, ou de paquebots. Et ce qu'il a vécu, comme ça, c'est une forme de, une différence énorme entre ce qu'il avait rêvé d'après les descriptions du couple Gould et ce qui était la réalité actuelle de cette vallée. Le couple Gould décrivait la Toscane de l'Australie, quoi. Alors là, on est loin de la Toscane. Et le soir, avec sa femme, ils ont une conversation. Mais comment on pourrait appeler ça? Ils ont commencé à se dire, est-ce que c'est du stress environnemental? Mais on n'est pas stressé. Non, c'est pas ça. Alors, quel est le mot? Il a commencé à parler de plesek, c'est-à-dire la douleur de lieu. Mais ça sonne pas bien, plesek. Plesek, c'est pas, ça fonctionne pas. Et donc, il a inventé ce mot hyper bizarre parce qu'il est intrinsèquement redondant. Solastalgie, solatium, c'est qui veut dire en latin soulagement. On l'entend en fait dans consolation et dans désolation. Solatium, algi, algos, il a mélangé du latin et du grec, algos, la douleur de la du soulagement. On ne sait pas très bien comment il fait le mot, mais ça sonne bien, solastalgie. Et en fait, il a un peu copié sur nostalgie. Et là, il y a quelque chose d'intéressant dans ce mot, parce que la nostalgie, c'est un néologisme qui a été inventé par un médecin alsacien qui s'occupait des gardes suisses, qui voyait que les gardes suisses avaient le mal du pays au XVIIIe siècle. Donc il a inventé le mot de nostalgie. Nostos, le retour, la douleur du retour, algos, nostos, lui il avait fait ses lettres classiques comme il faut, donc il n'a pas mélangé le grec et le latin, nostalgie et solastalgie, il y a quand même, ça nous dit quelque chose d'intéressant, parce que c'est de la nostalgie immobile. En fait, le deuil de lieu, c'est une forme d'exil immobile. Donc là, ça donne quelque chose comme une tonalité intéressante à ce terme, solastalgie. C'est pas le seul terme. Si je suis un peu réticent vis-à-vis de Glenn Albrecht et je lance quelques pics, c'est pas seulement pour le plaisir de faire comme avec Morton qui n'est pas là. Non, je plaisante, mais c'est. Je suis un tout petit peu réticent parce que il a développé ses idées dans un livre qui s'appelle Les émotions de la terre, où il propose de se débarrasser complètement du droit de propriété, du droit du travail, de la démocratie, et de mettre en place une symbiocratie qui serait en quelque sorte. Moi qui m'a tout l'air d'être une sorte de dictature verte, c'est-à-dire un comité d'experts. Et je suis, donc c'est pour ça que je pense que l'intuition initiale est très belle, le mot est un peu mal foutu mais il sonne bien, solastalgie, mais voilà. C'est peut-être pas quelqu'un à suivre dans toutes ses aventures intellectuelles. parce que, si vous voulez, d'ailleurs, c'était la conversation que j'avais eue avec lui. Si on se débarrasse complètement du système du droit, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit du travail, ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté d'expression garantie, on arrête avec les droits de l'homme. Il y a un certain nombre, en fait, des protections assurées aux plus fragiles socialement qui sautent du même coup. Et on se demande jusqu'où, une fois qu'on a fait sauter le droit, peuvent aller les experts. Le comité d'experts qui dirige, une fois qu'il n'y a plus de droit. Il peut faire quoi? Donc, voilà, c'est moi, c'est bon. En tout cas, autre concept qui me paraît intéressant et en résonance, ce sont des pistes, hein, que le Critias, Glenn Albrecht, à sa façon, une piste profonde, très profonde, selon moi, c'est le travail de Simone Weil sur le déracinement, dans son livre posthume, dont la forme finale a été... composé par Albert Camus, hein, L'enracinement. Bon, c'est un drôle de bouquin, ce livre-là, mais il y a une intuition extrêmement puissante. Simone Weil connaît bien la condition ouvrière, elle l'a vécu, elle connaît bien le monde industriel. Et il y a une intuition très frappante là-dedans. Elle dit qu'en fait, il y a des racinements dès lors qu'on est salarié. Dès lors qu'on devient ouvrier ou salarié, on est déraciné. Pourquoi ? Parce qu'on ne dépend plus de manière vitale du milieu qu'on habite. Ça, c'est une intuition extrêmement forte. Ça veut dire que pour nous, effectivement, nous voyons flamber des forêts, des hectares de forêts, 100 hectares, 1000 hectares, cet été, on ne sait pas trop, l'estuaire de la Gironde. On voit ça, mais en fait, par rapport à une société traditionnelle, il ne faut pas tomber dans un romantisme ou un passéisme là-dessus. C'est très dur, le travail dans les sociétés traditionnelles. Mais ce qui se passe, quand on lit les travaux et les jours d'Hésiode, on a la description d'une société antique qui est une société qui vit d'agriculture et d'artisanat et qui vit de l'observation assez précise des phénomènes climatiques, météorologiques, des cycles saisonniers. Et on se rend compte, quand on lit Hésiode, et c'est très clair, que là, c'est l'activité enracinée. Enracinée au sens où une grêle
et une grêle, et j'ai peut-être moins à manger pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. C'est-à-dire que prendre soin de l'environnement, ce n'est pas des mots en l'air, ce n'est pas une conviction politique vague, c'est tout simplement vital. Enfin, c'est... Et donc, l'observation, le fait d'avoir de l'eau non polluée à disposition, le fait qu'il n'y ait pas de d'incendie, en fait, c'est vital pour les communautés de ces sociétés-là. À partir du moment où vous êtes salarié, même quand vous vivez à la campagne, même dans un cadre très naturel, c'est tout à fait autre. C'est-à-dire le coût effectif du dégât climatique, par exemple du réchauffement climatique, et même de l'incendie, est dilué entre les pouvoirs publics, les assurances. En fait, c'est dilué de telle manière que pour vous, c'est insensible. La paye à la fin du mois, c'est la même. C'est pour ça qu'en quelque sorte, l'ouvrier, elle le décrit dans des pages très belles comme quelqu'un qui est exilé sur place. Ça fait penser, il y a un exil immobile de l'ouvrier. C'est-à-dire qu'au fond, quel que soit le destin de son environnement, il va gagner à peu près la même chose. Et d'ailleurs, l'usine, c'est vraiment le lieu de production de richesses hors sol, par excellence. L'usine traditionnelle, elle est soustraite, en fait, même au cycle circadien. La lumière du jour n'y rentre pas. Et donc, peut-être que ce déracinement est ce qui prépare la solastagie, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous faisons des deuils de lieu, mais la peine... L'intensité de la peine est un peu diluée par le fait que nous avons été au préalable comme mis à distance des lieux de vie dans lesquels nous sommes plongés. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le temps de... Ouais. Ouais, je vais peut-être être rapide là-dessus. Juste vous parler un instant de... Si on parle des deuils de lieux et de la mort des lieux, une question qu'on peut se poser, c'est ben, est-ce qu'on peut faire revivre des paysages? Ça existe, hein. Il y a une démarche qui s'appelle la restauration... La restauration écologique, il y a peut-être des ateliers d'ailleurs dans l'Université de la Terre sur ces programmes de restauration écologique. Ça existe, et la restauration écologique, ça peut être plein de choses différentes. Il peut s'agir de nettoyer les dégâts d'une marée noire. À ce moment-là, il s'agit d'enlever des substances toxiques du sol dans la mesure du possible. Il peut s'agir de faire de la reforestation. Là, vous avez deux images de reforestation, l'une dans la mangrove et l'autre en Afrique subsaharienne. Vous avez, ça peut être reconstituer un cordon dunaire qui souffre de l'érosion, des phénomènes de grande marée. Là, vous en avez une image. Ou ça peut être tout simplement essayer de faire revenir la nature sur un site industriel. Là, vous avez une image des terrils. Il y a plein de programmes de restauration écologique qui posent des questions philosophiques assez intenses. Il y a des questions d'ingénierie. Qui seront peut-être traités ailleurs. Mais les questions philosophiques que ça pose, il y en a deux ou trois, et elles sont assez intenses. Il y a une première question philosophique que ça pose, la restauration écologique, c'est à quelle époque on veut revenir. En Europe, il y a un consensus là-dessus. Ce qu'on veut recréer, nous, c'est ce qu'on appelle le pastoralisme, c'est-à-dire on veut recréer le monde de l'Ancien Régime. En gros, on veut recréer du bocage. Quand on engage un programme de restauration écologique, on aimerait bien des haies, de la biodiversité, un paysage agricole du 18e siècle. Aux États-Unis, c'est très compliqué, cette histoire. Pourquoi ? Parce que quand les Espagnols arrivent, les Européens arrivent, et qu'ils voient les grands espaces, en fait, eux, pour eux, c'est comme il n'y a pas de sillon creusé, ces grands espaces sont vierges. Ils ne sont pas vierges du tout. Toute l'Amérique du Nord est un maillage de plaines et de forêts qui a été créé par le feu, en fait, par l'usage du feu. Les Amérindiens maîtrisaient extrêmement bien le feu. C'est aujourd'hui quelque chose de bien documenté en histoire environnementale. Et donc, en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que je reviens à l'époque agricole telle qu'elle a été mise en place par les Européens, ou est-ce que je reviens à l'époque précolombienne? Mais si je reviens à l'époque précolombienne, il va falloir que j'utilise le feu pour mailler. Pourquoi faisaient ça les Indiens? Ils faisaient ça parce que, en fait, leur proie, enfin leur gibier, leur bison, avait besoin de grandes pâtures, tout simplement. C'était leur milieu de vie. Donc c'est comme ça, en fait, qu'ils tissaient et qu'ils maillaient leur paysage. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez que ça, c'est un gros débat. Un autre débat, il est, parce que ça, c'est un débat vers l'amont, il y a un débat vers l'aval. C'est est-ce que une fois qu'on a restauré un lieu, qu'il y a eu restauration écologique, est-ce que c'est un sanctuaire? C'est-à-dire, on s'est mal comporté avec ce lieu, donc on se retire, on arrête. Ou est-ce qu'on va favoriser certaines pratiques agricoles, sylvicoles, ou même des pratiques, par exemple, de sensibilisation des jeunes, en faisant des classes nature ou des... Mais alors, quelles sont les pratiques humaines qu'on va favoriser? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'exploitation du bois, par exemple, dans un lieu qu'on a reforesté?
Est-ce que c'est un problème ? Vous voyez que ce n'est pas des questions si évidentes que ça, et qu'en fait, il n'y a pas de réponse qui tombe du ciel, il n'y a pas de réponse transcendante, c'est du cas par cas. Il est site par site. Et d'ailleurs, il y a un site dont je voudrais vous parler, qui est le site le plus spectaculaire de restauration écologique qui soit, Fresh Kills. Vous connaissez ? Ça, c'est pour mesurer votre expertise. Non, c'est pas connu. J'avais fait une conférence devant le département d'aménagement du territoire. Ils connaissaient pas non plus. Donc, oui. Alors, c'était la plus grosse décharge au monde, Fresh Kills. C'est un site en fait sur l'île de Staten Island, qui est non loin de New York. C'est un site en fait qui est devenu une décharge pour 3 ans en 1948. Bon, ça n'a pas duré 3 ans. Ça a duré 50 ans. Et c'est Giuliani, le maire de New York, qui a mis fin à cette décharge, qui en fait avait pris des proportions. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on parle de 800 hectares. C'est une décharge sur laquelle arrivaient 30 000 tonnes de déchets par jour pendant les années 80. Parce que, en fait, quand on a une ville comme Paris ou comme New York, il faut savoir une chose, enfin vous le savez déjà, mais on préfère ne pas le savoir, c'est qu'on doit sacrifier plus de terrain autour. Pour les déchets, pour les aéroports, pour les accès, pour en fait, pour la production d'énergie, pour les stations d'épuration. En fait, on crée un centre-ville qui est un joyau, Manhattan ou le centre de Paris, mais en fait, on a besoin de sacrifier pas mal de terre autour. Et on ne sait pas faire autrement. Les déchets sont arrivés. Fermeture effective en 2001, en mars 2001. Réouverture de la décharge pour les décombres des Twin Towers. Donc mêlée de cadavres, étrange site. Énorme programme de restauration écologique par-dessus, qui consiste à... on a mis des bâches de plastique. Le site, les détritus ont été bâchés. Et puis des gravats de la terre, et puis de la terre arable. Et puis c'est un parc aujourd'hui. C'est un parc gigantesque où vont les familles. On voit rien, on sent rien, c'est pas toxique. Seulement par en dessous, évidemment, ça continue à fermenter. Et donc, il y a tout un système de drainage des sucs et des gaz, du méthane notamment, qui est dégagé par toute cette matière en décomposition. Il y a des usines qui retraitent ce qui suinte et ce qui sort de ces collines. Et ces usines extraient font des pains d'une substance qui s'appelle le Livixia, qui est hyper toxique, qui fait l'objet d'un enfouissement. C'est comme du matériel radioactif, quoi. Donc, c'est un drôle d'endroit. Et si vous vous promenez là, eh ben c'est un parc. Vous savez qu'on a ça à Paris, hein, à peu près aussi pire, même pire. C'est où ? Les Buttes-Chaumont. Ah oui, on a aussi dans le Nord, on a aussi une forêt au cours de... Non, les Buttes-Chaumont, ouais. Les Buttes-Chaumont, qui était un site à la fois, c'était une décharge, c'était une fosse commune, c'était le site d'écarissage des chevaux. Mais quand je parle d'écarissage des chevaux, c'était, on abattait des centaines, voire des milliers de chevaux par jour au 19e siècle. Et par ailleurs, c'était aussi là que s'étaient installés les teinturiers. Et donc, ce sont des collines hyper toxiques dans lesquelles on a installé un parc. Voilà les questions que pose la restauration écologique. C'est qu'est-ce qu'on doit éprouver quand on se balade dans un lieu comme ça ? Au fond, pas grand-chose, parce que c'est vrai, quand on va au Buttes-Chaumont, on peut passer un bon moment avec ses enfants, etc. Mais d'un autre côté, on ne revient pas à l'état initial, en réalité. C'est le... Voilà. Alors, ben ça, je vais... Ouais, bon, j'ai terminé ma deuxième partie. Peut-être c'est bien d'ouvrir, sinon je vais... Voilà, vous avez compris que j'étais un peu bavard. Je ne sais pas s'il y a des réactions, des questions, si le Lexomil au fond de vos poches est en train de fondre. Oui, j'ai une petite remarque. Vous m'entendez ? Ah, pardon. Je me pose juste la question, pourquoi veut-on revenir à un état initial ? Puisque le temps passe et que je me suis toujours posé cette question, pourquoi vouloir revenir en arrière, quelque part ? Oui, c'est l'une des questions passionnantes en restauration écologique. Ce sont des questions vraiment débattues. Par exemple, un truc bizarre en restauration écologique, c'est que vous pouvez être amené à vous dire, quand un site a été envahi par ce qu'on appelle les espèces invasives, est-ce que je dois tuer ce qui vit, ou par des plantes et des végétaux et des animaux qui ne devraient pas être là ? Est-ce que je commence par les tuer pour mettre les végétaux et les animaux que j'aimerais y voir ? Vous voyez, c'est bizarre.
intellectuellement, c'est un geste écologique un peu étrange. Je commence par tuer tout ce qui est là, risette, et je pars. Au fond, il n'y a pas de politique unifiée. Je vous dis qu'en Europe, c'est un débat qui est peu dans nos esprits parce qu'on a un consensus. Nous, on rêve de ce qui était juste là, juste avant l'industrie. Voilà. Donc, il y a une sorte de consensus et les pouvoirs publics et le public s'en satisfont très bien. Mais on voit bien qu'on peut se questionner, surtout que le réchauffement climatique corse l'affaire. On pourrait être tenté de ne mettre que des espèces qui vont être résilientes par rapport au phénomène climatique à venir. Oui, il y avait une autre. J'ai pris connaissance récemment du plus grand site polluant d'Europe qui a lieu dans la région de Cologne, où il y a une mine en fait de charbon à ciel ouvert. Et c'est une exposition qu'on peut voir à Mons, au Grand Ornu. Il y a la permission jusqu'en 2038 en fait d'utiliser cette mine à ciel ouvert. Ma question, un peu naïve peut-être, mais tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut sur l'environnement de manière totalement libre. Qu'est-ce que vous entendez par tout le monde? C'est-à-dire, l'aménagement du territoire est quelque chose d'extrêmement pensé. Il y a aussi des normes européennes. Mais ce que vous voulez dire, c'est est-ce que les autres pays européens pourraient essayer d'avoir un regard, par exemple, sur ce qui se fait, ce que l'Allemagne décide sur son sol? Bah, à ma connaissance, il y a des normes partagées en matière industrielle, mais qui ne vont pas aboutir à l'empêchement de l'ouverture d'une carrière à ciel ouvert. Par exemple, les questions, si on parle de sidérurgie, les questions qui vont se poser, il y a des normes européennes pour les filtres des cheminées, par exemple, d'usines, c'est-à-dire ce qu'on rejette. Donc il y a toute une série de normes, environnementales, mais on voit bien qu'il y a aussi des politiques nationales qui sont un peu différentes et des sensibilités nationales qui sont assez différentes. Le paradoxe, c'est une grosse question que vous soulevez là. L'espèce de paradoxe qu'il y a, c'est que très souvent, les pouvoirs publics appuient sur la pédale de frein et la pédale d'accélération en même temps. Ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, ce qui se fait à l'échelle d'une région ou d'un pays, c'est qu'on va créer un parc naturel au moment où on va créer un site d'extraction. Vous voyez, il y a des... Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'est qu'une affaire d'esthétique. Il va être assez bien supporté que dans des environnements un peu moches, de la plaine, par exemple, céréalière, on crée un site d'extraction et on va transformer en parc naturel ce qui a une sorte de beauté scénique, ce qui pourrait faire l'objet d'un tableau. Vous voyez ? Mais c'est bizarre en soi, c'est très humain. Mais c'est là que je vous dis que l'esthétique et la politique en matière d'environnement sont souvent parties liées. Donc en gros, on va dire que de la plaine qui était peut-être agricole et qui devient de la plaine industrielle, c'est un peu comme la Beauce. Rares sont ceux qui pleureraient sur la transformation continue de la Beauce, parce que par contre, on pleurerait tous sur l'Écosse, ou je sais pas, enfin, ou sur la Haute-Savoie, vous voyez. Donc c'est selon nos préférences et les lieux où nous avons nos loisirs, nous allons sélectionner dans le territoire les zones d'action et les zones de préservation. Je ne sais pas si ça ouvre d'autres problèmes. C'est les lieux qui ont une vraie singularité, qui vont être préservés. Les lieux un peu intermédiaires, il faut choisir. Oui, mais c'est bizarre en soi. C'est bizarre en soi que des préférences quasiment picturales aient une répercussion sur le réel. Oui, moi je voulais réagir aussi sur le côté beau. Et le côté aussi écologique lié à... je réagis à madame par rapport à l'histoire de cette extraction de charbon, on va dire, en Europe. C'est que souvent, nous, on a quand même, envoyé, on va dire, notre pollution, ou en tout cas, on a choisi que ce soit les autres qui polluent pour nous, entre autres la Chine, entre autres un certain nombre de pays auxquels on peut penser qui ont beaucoup produit de choses pour nous. Et je suis allée deux fois en Chine. Et moi, j'ai trouvé des paysages vraiment où il n'y avait rien, quoi. Il y avait, on est allé du côté de Mulanchang, on allait sur la montagne, bon, ok, c'était un peu joli, mais
quand on regardait de côté, il y avait des monceaux d'objets. En fait, toute la pollution en fait, du tourisme se déversait sur le côté de la montagne. On est allé à Gulin. À Gulin, on s'est perdu dans les montagnes. J'étais choquée parce qu'il n'y avait, pas de faune, une petite flore, voilà. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est qu'ensuite, après, quand on discute avec les populations, quand on va vraiment vers les populations, on se rend compte que tout est pollué. Mais vraiment, ils n'ont plus d'abeilles là-bas. Enfin, il y a des cohortes d'ouvriers qui vont dans les champs pour faire le travail des abeilles. Et moi, ça m'a beaucoup interrogée autour de ça. Je suis allée à Wuhan. À Wuhan, il y a le Yangtze. J'ai vu des images du Yangtze dernièrement, mais ça m'a fait pleurer, quoi, pratiquement. Quoi. Et c'est ça. Alors, à la rigueur, je vais reprendre un peu de ma pollution pour leur offrir peut-être plus de choses. Il y a tout ce côté-là aussi où peut-être qu'il faut qu'on... Et les paysages disent beaucoup au travers de ça. Le paradoxe étant que la Chine est avec l'Occident le pays ou la culture qui a développé la peinture et la poésie de paysage la plus puissante bien avant l'Occident, en fait. Bien avant l'Occident, il y a une tradition... la tradition du Shansui, qui est une grande tradition de chez les lettrés de peinture et de poésie du paysage, qui est extraordinaire, qui date de bien avant notre peinture paysagère, qui date pour nous de la fin de la Renaissance. Et donc, effectivement, on voit là un peu les méfaits du modèle productiviste dans sa violence souveraine. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il n'y a pas d'opposition frontale entre le modèle communiste et le modèle capitaliste. C'est-à-dire que la Chine est un mixte d'économie dirigée et d'économie capitaliste aujourd'hui, mais on peut dire que en Sibérie, on a le même type de récit. On peut dire que le communisme a préparé. Et c'est là que c'est intéressant le point de vue de Simone Veil. Sur le déracinement. En tant que le communisme a considéré que l'acteur de l'histoire était le prolétariat est déraciné. Elle touche un point profond. Le prolétariat est déraciné par opposition à l'univers agricole. Et donc, effectivement, l'avènement du prolétariat comme moteur de l'histoire, c'est l'avènement d'un monde d'êtres humains déracinés qui peuvent aller assez loin. Du coup, je voudrais utiliser un peu... votre science de la philosophie pour vous questionner. On voit que depuis des milliers d'années, l'humain il a un culte de l'esthétisme, de la beauté. Il peint ce qu'il y a de plus beau. Et ça ne marche pas. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce qu'on ne devrait pas créer un culte de la laideur et pour aller un peu... je vois par exemple aujourd'hui comment on a féminisé un peu les voitures en essayant de rendre ça hyper attractive avec des budgets colossaux. Est-ce qu'on ne devrait pas, dans la pensée commune... en faire un objet de laideur pour... je prends la voiture pour exempler, c'est pas le point là-dessus sur lequel je veux m'appuyer, mais du coup, on devrait pas plutôt cultiver la laideur plutôt que la beauté pour essayer d'avancer vers quelque chose de plus écologique. C'est-à-dire cultiver l'aversion, cultiver un sentiment d'aversion pour les voitures, par exemple Le charbon, par exemple, pour revenir à ce que madame disait, en fait, pour dès le plus jeune âge, faire comprendre que c'est ce qu'il y a de plus moche. Je sais pas si ça me fait un peu une transition. Je sais pas si c'est par dressage qu'on cultive les émotions esthétiques une éducation esthétique, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'une éducation esthétique? À mon avis, une éducation esthétique, ça passe par des expériences. Ça passe par des contacts. Est-ce qu'on peut éduquer à la laideur? Je sais pas. C'est-à-dire, au fond, ce que vous êtes en train de soulever, c'est un point que moi je vais traiter vraiment dans la troisième partie, c'est quelle est l'espèce d'approbation qu'il y a quand on considère que quelque chose est beau? Qu'est-ce que c'est que cette approbation? En quoi on approuve et symétriquement, en quoi on désapprouve la laideur? Moi, j'aurais une petite question. Est-ce qu'il y a, dans la société dans laquelle on vit, on a je connais un peu la réponse, mais est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait pour développer une culture de l'esthétique? Parce que finalement... je suis pas sûr que les médias fassent tous leur rôle dans ce domaine-là. Peut-être. Ok. et finalement, tout le monde ne va pas naturellement regarder Arte, pour caricaturer. Mais c'est vrai qu'il y a sans doute une grosse lacune à ce niveau-là.
Oui, moi, ça m'a complètement. Ça a été pour moi une vraie découverte intellectuelle, en fait. Je pense, au début des années 2010, j'ai commencé. Au fond, moi, j'avais voulu écrire un premier livre. Ça a donné un livre qui s'appelle Devant la beauté de la nature. Mais au départ, ma question, c'était pourquoi on aime regarder les couchers de soleil. Et franchement, je pensais que j'allais tenir 100 pages. Je voulais convoquer Kant, quelques repères en philosophie, puis je me suis dit, il y a très peu de choses, finalement, sur le beau naturel. Je vais essayer de faire la synthèse. Et puis, petit à petit et par hasard, je suis tombé dans un domaine de recherche beaucoup plus vaste que ce que j'imaginais, alors certes en langue anglaise, qui avait des ramifications du côté de la théorie évolutionniste, du côté de l'esthétique classique, de la peinture de paysage, du côté de la Chine, du côté. Enfin, je me suis aperçu qu'il y avait un. Et donc, ça a été un livre de 500 pages à la fin. Et après ça, je me suis encore aperçu qu'il y avait un point aveugle dans cette esthétique environnementale qui commence à se constituer. Elle a en gros 40 ans. Hein, qu'il y avait un point aveugle, c'est le paysage contemporain. C'est ce dont j'essaye de vous parler aujourd'hui. J'essaye de lancer des pistes. Parce que c'est un peu un point d'aveuglement. On a tendance à penser en esthétique la forêt, le désert, et puis là, on le voit sans pylône, quoi. Et donc, on est dans le romantisme naturaliste. On est avec Thoreau et c'est sympa, mais en fond, c'est pas là qu'on habite. Et donc, on peut s'imaginer vivre comme Sylvain Tesson 6 mois au bord du lac Baïkal, et ce sera sans doute une expérience privilégiée et particulière. Mais tout le reste de notre vie, on ne va pas habiter au bord du lac Baïkal. Donc comment on s'installe là où on est? Et comment on pose notre regard à l'endroit où on est? Moi, c'est ça la question qui m'a occupé dernièrement. Mais effectivement, j'imaginais naïvement qu'il n'y avait rien, moi. Qu'il n'y avait quasiment pas d'écrit sur ces questions ou pas de réflexion. C'est dire le retard qu'il y a dans la réflexion ou la diffusion de ce type d'idées. Alors maintenant... On va aller un peu plus franchement en philo-esthétique. Chose promise, chose due. Ouais, j'ai encore un petit peu de temps. Parmi les rares textes qui affrontent la question du contemporain en philosophie esthétique, il y a un texte d'une chercheuse qui s'appelle Emily Brady. C'est Emily Brady. Et qui propose une expérience de pensée amusante. Elle dit, voilà, imaginez qu'il y a une barrière corallienne qui a été complètement décimée par l'acidification des océans. Arrive un premier plongeur. Ce plongeur, en fait, lui, il est jeune, il est naïf, il n'a aucune espèce de compétence en écologie. Et il prend un masque, un tuba, il circule là-dedans, il voit des belles architectures blanches sous l'eau. Il trouve ça merveilleux, il y a de la lumière, il y a... Voilà. Arrive un deuxième plongeur qui habitait là quand il était jeune et qui connaissait la barrière corallienne multicolore, les poissons, etc. Il voit le même spectacle et alors là, il regagne la plage et il est dévasté quoi, par la solastalgie. Non, c'est trop pour Brennage Brèche, par la tristesse tout simplement. Et donc, il ressent quelque chose de très, très violent. Question, lequel de ces deux plongeurs à une évaluation esthétique correcte de la barrière corallienne, le premier ou le deuxième? Oui, le deuxième? Oui, mais ils ont vu la même chose. Parce que, en fait, en philosophie esthétique, il y a un grand principe. La philosophie esthétique a été largement posée, telle que nous la pratiquons actuellement, par Emmanuel Kant dans la critique de la faculté de juger. Et l'un de ses principes premiers, c'est... qu'il doit y avoir une autonomie du jugement de goût. Je juge si une chose est belle, indépendamment de mes intérêts personnels et indépendamment de mes connaissances. Normalement, c'est comme ça que je dois juger, parce que c'est ce qui fait que je peux prendre plaisir à lire un roman policier où il y a des crimes atroces, un James Ellroy, par exemple. Je prends plaisir, c'est pas que j'approuve moralement, c'est que je prends un plaisir esthétique. Je dois pouvoir prendre un plaisir esthétique à quelque chose, à un spectacle esthétique, indépendamment de mes intérêts et de mes connaissances. Et donc l'autonomie du jugement de goût, ça nous dit que c'est avec mes facultés de sentir que je dois me saisir de l'objet esthétique. Et mes facultés de sens, en fait, mes cinq sens, ben c'est les mêmes pour les deux plongeurs. Donc pourquoi, enfin, vous voyez la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit considérer qu'il faut en quelque sorte moraliser l'esthétique? Au fond, ce que met en valeur Emily Brady, c'est qu'on a un choix ici entre deux positions. L'autonomisme,
c'est-à-dire je maintiens l'autonomie du jugement de goût. Et là, j'ai un problème ou un paradoxe. Je ne sais pas très bien quelle est l'évaluation correcte. Sans doute, du coup, celle du pêcheur naïf. Ou alors le moralisme. Je renonce à l'autonomie du jugement de goût et je dis que ce que nous savons sur l'écologie et la destruction doit venir infléchir mon jugement de goût, le modifier. Et à ce moment-là, c'est le deuxième plongeur qui a raison. Vous voyez, c'est autonomisme, moralisme. Mais en fait, aucune de ces deux positions n'est satisfaisante. Parce que, par exemple, imaginez, vous êtes un autonomiste convaincu. C'est une marée noire. C'est laid ou c'est beau ? C'est magnifique. Ah ben alors, c'est vous qui vouliez une éducation à la laideur. Mince. C'est un peu ma réponse en différé. Oui, c'est magnifique. On va un cran plus loin. Un champignon atomique. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que on voit bien que un autonomisme radical va nous amener à transformer en spectacle esthétique des scènes de destruction de l'environnement effroyables. Mais on pourrait poser quelques questions au moralisme également. Par exemple, celle-ci. Vous êtes moraliste, ben vous devez aimer. Mais non, vous devez aimer. C'est-à-dire, forcez-vous un peu, quoi. Non, mais c'est... Sinon, vous n'êtes pas un moraliste conséquent. C'est-à-dire, vous devez à certains moments aller contre ce que vous ressentez pour, parce que quand même, 800 foyers hein, alimentent en électricité par une éolienne. Donc, vous ne pouvez pas balancer comme ça. Vous devez vous éduquer à aimer ça. Non, vous voyez, en fait, le problème devant lequel on est, c'est quand même un problème un peu d'envergure. Comment on se sort de ce problème ou de cette alternative entre moralisme et autonomisme ? C'est pas très simple. Je pourrais pas vous faire tout le raisonnement, mais moi, c'est, vous voyez, c'est une partie. Voilà, je vais esquisser la réponse. Voilà, vous me pardonnerez de pas faire le raisonnement au complet, mais et pour l'esquisser, je vais vous proposer une deuxième expérience de pensée par une autre autrice qui travaille dans le domaine de la philosophie environnementale, qui s'appelle Cheryl Foster. L'expérience de la pensée est la suivante. Vous êtes dans votre cuisine. Et vous voyez par la fenêtre un super coucher de soleil, magnifique, il y a des couleurs extraordinaires. Etc. Et puis là, il y a un voisin qui passe, qui arrive, qui dit « Ouais, mais tu sais, c'est vrai, c'est beau et tout. Ouais, mais tu sais, en fait, là, il y a l'incinérateur à côté, l'usine, le filtre est mal réglé. Il rejette un paquet de dioxyde de soufre. Alors, toutes ces belles couleurs, en fait, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous êtes déçu. Au fond, peut-être la clé la clé pour sortir de la confrontation entre moralisme et autonomisme, c'est de se dire que nous sommes amenés à faire l'expérience de la déception. Et la déception, ce qui est intéressant dans la déception, c'est que la déception modifie ma perception. C'est-à-dire, une fois que je le sais, je ne le vois plus pareil. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la réponse qu'on pourrait faire à Kant. C'est qu'une fois que je le sais, je ne peux pas revenir en arrière. Je sais un truc. Kant, il donne un exemple pourtant de déception qui est intéressant. Il dit, voilà, imaginez, vous êtes c'est dans la critique de la faculté de juger. Imaginez, vous êtes là en terrasse, c'est une belle soirée d'été, et vous entendez le chant délicieux d'un rossignol. Tout, c'est magnifique. Et puis là, il y a quelqu'un qui vous dit, ouais, non, mais c'est le chenapan, c'est le garçon du voisin d'en face qui s'amuse à siffloter comme ça. En un sens, vous êtes déçu. En tout cas, votre perception, vous ne l'écoutez plus pareil. Vous voyez, de même que vous ne regardez plus pareil. Et c'est ça qui est intéressant dans la déception, c'est qu'on voit bien que le savoir écologique, pour revenir à la fable des deux plongeurs, un savoir écologique peut nous amener à faire des expériences de déception. Du coup, et c'est pour ça, alors je ne fais pas tout le raisonnement, accepter que ce soit un peu elliptique, bon, voilà, c'est dans le temps imparti. Du coup, si on repense à Kant et à ce que Kant nous propose, Kant intervient dans la critique de la faculté de juger avant qu'au XIXe siècle, l'esthétique se spécialise comme discours sur l'art. Donc c'est un moment intéressant parce que chez lui, c'est les deux. Il parle de l'art et du paysage, il parle des deux. Et entre Kant et nous, il y a la révolution industrielle. C'est aussi ce qui rend la chose très passionnante. 1790, pour la critique de la faculté de juger. Ouais, je ne me trompe pas, ça doit être ça. Alors,
Il y a trois autonomies qui sont postulées, en fait, implicitement dans ce que nous dit Kant. Il y a chez lui une autonomie de la nature par rapport à la culture. Ben, ça, c'est plus valable. L'anthropocène, c'est l'expérience d'une humanité qui est devenue force agissante sur le climat, le sol, la géologie. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'intrication, le mixte, le mélange. Il n'y a pas d'autonomie de la nature par rapport à la culture. Il y a plutôt deux pôles de l'expérience et nous naviguons quelque part entre les deux. Autonomie du jugement de goût par rapport à la morale. Bah, ce qu'on peut dire, c'est que chez Kant, quand on va dans le paysage, on fait l'expérience d'une vision d'harmonie. Ce que lui voit dans la nature, enfin, sauf dans le cas de l'éruption volcanique ou du sublime qu'il traite aussi, mais fondamentalement, ce que nous offre comme spectacle la nature, c'est un spectacle harmonieux. Et cette harmonie, cette image de la perfection, nous dit-il, peut nous suggérer ce que pourrait être la perfection morale. C'est-à-dire que dans toute la dernière partie de la critique de la faculté de juger, c'est parce que nous voyons cette harmonie que nous avons en fait quelque part envie d'agir bien. L'esthétique va mener en quelque sorte à l'excellence morale. Pour Kant. Eh bien, nous, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce dont on fait l'expérience dans nos paysages, où il y a toujours un pylône, un silo, une usine, une route qui passe, quelque chose qui se mélange, en fait, on fait des expériences du beau ou du laid ou de l'ambivalent, mais sur fond d'inquiétude morale. Et ça, c'est vraiment une différence. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pour le moralisme. Je n'ai pas l'impression qu'on doive essayer d'appliquer un politiquement correct écolo à nos jugements de goût. Ça, ce serait un peu terrible. Par contre, je pense que ce que nous trouvons beau... L'inquiétude morale, c'est par exemple tout simplement ce que vous avez vécu à l'été indien. On va se mettre fin octobre en terrasse d'un café. On commande un verre. C'est vrai que c'est agréable. Et on est en chemise. Mais c'est bizarre. c'est esthétiquement, du point de vue des sens, agréable, mais c'est étrange. Et puis, on doit peut-être aussi, en partie, défaire notre autonomie du jugement de goût par rapport à la connaissance. Donc, on va avoir un jugement de goût moins pur, mais plus relié, en fait, à la morale, à la connaissance, au monde, à nos choix, en fait. Et c'est pour ça que, tel que je l'entends, et ce sera un peu le mot de la conclusion, ça, c'est deux photos que j'ai faites cette année. Il y en a une que j'ai faite en juin, j'étais à Dubaï, et je l'ai faite, alors c'est pas vue d'avion, c'est vue du Burj Khalifa, qui est le plus haut immeuble du monde. Et une autre que j'ai faite il y a un mois en Bourgogne. Endroit où j'ai vécu 6 ans, Saône-et-Loire, endroit où je suis très attaché à la Saône-et-Loire, bon voilà. Et bon, alors évidemment, il y a presque un jugement dans ces photos. Vous voyez bien où je me sens bien et où je me sens pas bien. Je pense que c'est clair. Par contre, j'ai l'impression que ce qui est intéressant avec l'esthétique environnementale, c'est qu'en général, l'esthétique, c'est un peu un truc de philistin. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde va mal, il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre en Ukraine. Mais alors, je me mets le Requiem de Mozart avec un bon verre de vin. Et là, c'est génial, je passe un super bon moment. Donc vous voyez, un peu cette esthétique, c'est un peu un plaisir bourgeois qui efface en fait l'état du monde et les urgences politiques, un peu pour son plaisir personnel. Ce que je trouve intéressant dans le cas de l'esthétique environnementale, c'est qu'elle a prise sur l'environnement, elle a prise sur l'état du monde. En fait, elle nous reconduit assez naturellement, assez spontanément à la politique. Loin d'en être aussi détachée que l'esthétique qui s'occupe de l'art, elle nous ramène à des enjeux politiques parmi les plus brûlants et les plus urgents aujourd'hui. Et du coup, on voit bien qu'il y a deux scénarios possibles, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a le scénario d'une humanité qui s'habituerait progressivement à des environnements de plus en plus artificiels, et peut-être que la projection, c'est l'horizon de ce scénario-là, c'est quelque chose comme Dubaï. Certes, l'air est irrespirable, certes, le climat est impossible, mais nous avons construit une espèce de bulle climatisée dans laquelle nous survivons tant bien que mal. Est-ce que c'est viable longtemps? Je ne sais pas. Et puis, il y a une autre piste qui consiste à se dire, un sursaut est possible. Ce paysage que j'aime, en fait, parce que je l'aime, je vais peut-être m'engager pour sa préservation.
Voilà. Et c'est aussi une esthétique de proximité, en quelque sorte. Hein. Et le mouvement des Verts allemands, à un moment, avait remporté une victoire significative contre le parti de Merkel, qui était alors dominant, il y a 3-4 ans. Et comment elle s'appelait, Katharina Schull, je crois, qui avait géré cette campagne. Elle dit, mais comment vous avez fait pour que ça marche, etc. Et elle a dit, c'est simple, c'était en Bavière. C'est simple, on n'a pas parlé aux gens du réchauffement climatique, on leur a parlé de la forêt noire. Et c'est pas Chauvin, hein, c'est pas la forêt noire à la Heidegger. C'est pas Chauvin, puisque c'est un parti qui organisait aussi les accueils des migrants dans les gares. Enfin, c'est un parti très très ouvert, tout à fait à gauche. Pas Chauvin nationaliste, c'est pas un enracinement au sens de droite ou d'extrême droite, mais quand même, c'est intéressant. C'est tiens, ils ont parlé aux gens de ce qu'ils aimaient. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils se disent tiens, on va pouvoir agir, je vais pouvoir agir sur ce que j'aime, je vais pouvoir préserver ce que j'aime par ma voix, par. On peut le faire aussi par un engagement associatif, on peut le faire de plusieurs manières. Et là, j'ai l'impression qu'on, tout d'un coup, on peut récupérer de la puissance d'agir par le sensible. Voilà, c'est peut-être un vœu pieux, mais je ne pense pas complètement. Et l'éducation, qu'est-ce que ça consiste à faire? L'éducation, c'est de remettre les enfants dans les bois, quoi. C'est-à-dire leur enlever un peu leur tablette et puis les pousser un peu dehors avec des bottes et un imperméable. On a trop perçu les environnements comme étant des environnements dangereux à cause des scandales de pédophilie, On a enfermé les enfants et une fois qu'ils sont chez nous, dans les appartements, les maisons, ils s'embêtent et puis il n'y a que l'écran pour les divertir. Alors, on va les remettre un peu dehors, c'est leur permettre de renouer ces relations diverses mais vivantes avec leur environnement. Et peut-être que l'éducation esthétique, ça ne consiste pas à moraliser, mais ça consiste plutôt à retisser ces liens, voilà, tout simplement. Voilà. J'ai une question qui me vient, moi, juste, par rapport à ce que tu dis à la fin, avec le paysage en Bourgogne. Moi, mon père récemment m'a dit qu'il habite à la campagne en Sologne, et en face de chez lui, il y a un grand motocross au milieu d'une forêt. Mais le motocross est un peu abandonné, donc c'est un endroit où il y a beaucoup de biodiversité, parce que, en gros, ça laissait un peu en jachère. Et ils se disent, la municipalité s'est dit récemment, on va transformer le motocross en champ de panneaux solaires. Donc voilà, on voit où le problème arrive, c'est que lui, il veut garder la forêt solognotte et avec une vue sur un motocross à l'abandon, qui certes est un motocross, mais qui quand même accueille, moi je le vois tout le temps, des lapins, des chevreuils, des abeilles, etc. Le transformer en champ de panneaux solaires, ça voudrait dire construire des infrastructures autour, ça voudrait dire en fait tuer le vivant pour le remplacer par une source d'énergie qui va finalement nourrir des citadins. Ils ne se sentent pas du tout concernés par exemple par les économies d'énergie, lui-même est plutôt sobre et ça ne va pas lui profiter directement. Et du coup, il y a peut-être aussi là quelque chose qui se joue dans la particularité de la crise écologique, c'est aussi qu'elle nous concerne. Ce n'est pas un événement dont on est entièrement responsable à titre individuel et dont on voit le début, la fin, qu'on peut circonscrire comme voilà un feu de forêt. On peut vraiment dire là où ça brûle et là où ça brûle pas, alors que la crise écologique, on doit chacun prendre une responsabilité qui nous amène par exemple à transformer le champ qui est là en champ d'éolienne ou photovoltaïque. Du coup, comment ça s'articule à ta pensée? Là, on touche directement aux politiques, c'est-à-dire que quand les gens, on touche à leur environnement, comme c'était ce cas du motocross, il y a la possibilité de créer une association, d'agir, de faire un petit référendum d'initiative populaire dans un village, de discuter. Au fond, c'est intéressant qu'il y ait une négociation, il y a toujours une possibilité de négociation avec les pouvoirs publics, et il y a plusieurs forces en présence. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais on peut s'engager dans une discussion politique. Par ailleurs, ce que ça m'évoque aussi, c'est que l'énergie, c'est tragique, en fait. Il n'y a pas d'énergie, c'est tragique, c'est-à-dire l'énergie... Il y a des énergies dites renouvelables, mais il y a toujours une dimension un peu faustienne dans l'énergie. C'est toujours il y a toujours un pacte avec le diable, quelle que soit l'énergie. Il y a toujours une extraction. Quand on regarde la consommation de lithium par les batteries, quand on regarde le nucléaire, le pétrole, le charbon, en fait, on choisit toujours des modes de destruction à travers l'énergie. Il n'y a pas de solution évidente. C'est vraiment un domaine assez particulier que celui de la politique énergétique. Bon, voilà, mais je voudrais ouvrir peut-être sur vos questions. On a encore quelques minutes à passer ensemble avant que vous vous ruiez sur la Coupe du Monde. Non, c'est...
au Qatar. Oui. Bah, du coup, justement, parlons du sport et de toutes ces manifestations, comme les Jeux Olympiques ont quand même un message assez fort d'un point de vue... on réunit... Il y a quelque chose d'assez joli dans le sport, et malgré tout, quand on y pense, c'est quand même assez destructeur de l'environnement. Donc on est aussi un peu dans cette bivalence, justement, entre qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est environnementalement moral, en fait. On est complètement dedans, là. Oui. Ben, depuis le début, moi, je vous parle d'un monde d'ambivalence, en fait. C'est-à-dire, quand je vous parle du paysage avec le pylône, vouloir distribuer les bons et les mauvais points, vouloir une course à la pureté du côté de l'écologie, en ayant des modes de vie extrêmement radicaux d'un côté et de l'autre, jeter le... l'opprobre sur l'ensemble de la civilisation telle qu'elle est construite. Moi, je trouve intéressante cette ambivalence. Dans cette ambivalence, des choses progressent et ça se fait petit à petit par glissement. Par exemple, je pense sincèrement que les élites un peu pourries de la FIFA qui ont décidé de ce mondial au Qatar, il y a une progression, une évolution des opinions publiques considérable en 10 ans. En fait, c'est anachronique. Le geste est anachronique et il est perçu comme tel. Il est perçu comme une sorte de survivance du passé, et c'est assez bien compris, en fait. C'est assez bien compris. Là où j'ai un espoir, c'est que nous vivons dans l'ambivalence et dans l'ambivalence morale, me semble-t-il. C'est important de reconnaître cette ambivalence. Moi, il y a 20 ans, j'avais fait l'un des tout premiers reportages sur la décroissance. J'étais allé voir Vincent Chesnais, qui tient le journal La Décroissance à Lyon. C'est peut-être un intervenant quelque part ici. Et c'est marrant parce que c'était super, son discours très original à l'époque, personne ne parlait de ça. Et à la fin, je lui dis, oui, mais quand même, je remarque que vous avez un ordinateur qui est un Mac et puis un jean qui est un Levi's. Et il me dit, oui, mais c'est la preuve que je ne suis pas un fou ni un sectaire. Et c'est une bonne réponse. C'est-à-dire, je suis dans cette société ambivalente et j'essaye de pousser les choses dans la bonne direction, de penser, de conceptualiser ce qui nous arrive à partir d'une position qui n'est pas celle d'un puriste ou d'un fanatique ou d'un sectaire, mais qui est celle d'un homme inquiet, en fait. Ouais, ouais, et, ouais. Il y a quand même un monde entre le fait d'être sectaire. Bien sûr, mais c'est vrai que ça faisait un peu apparaître un hiatus entre son discours et de décroissance et puis ce que c'est que l'entreprise Mac. Enfin, il y avait un petit hiatus amusant, mais je trouvais ça, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques. On a peut-être encore une minute ou deux pour accueillir une ou deux questions. Ouais. Ouais. Oui, j'aurais aimé que vous puissiez peut-être, si on repart sur le sujet, par exemple, de cette question, comment être plus écologique qu'écologiste, est-ce que vous pourriez peut-être redéfinir les termes ou quoi? Ou peut-être, on y a certainement répondu pendant toute cette heure et demie, mais... Bon, en gros, il y aurait un terme qui aurait l'air de tirer du côté des partis politiques. Ce serait être écologiste au sens... il faut s'entendre, hein, il y a une écologie scientifique aussi, mais être écologiste dans la langue commune, c'est s'encarter, voter vert, etc. Être écologique, c'est peut-être une manière un peu plus ouverte de tenir un discours qui passe par le sensible et l'émotion, et par les liens que nous tissons avec nos environnements, pour essayer de donner envie d'agir. Et vous voyez, c'est un déplacement de la perspective. Oui. Justement, à propos de déplacement de perspective, en fait, je trouve que c'est super et que c'est vraiment très bien de se réancrer dans le local pour... et de mettre en place des initiatives qui vont défendre les paysages qu'on aime. Ça, je trouve que c'est une très belle approche. Mais en même temps, c'est assez contradictoire avec la nécessité, au niveau politique, de planifier des transformations qui vont permettre d'opérer des transitions environnementales, énergétiques, etc., ou certainement sociétales, dont on a vraiment besoin, et qui peuvent justement créer des injonctions contradictoires entre le local qui va pouvoir, par exemple, refuser la mise en place de champs éoliens ou de panneaux photovoltaïques, etc., même si ce n'est pas forcément la solution idéale, voire même d'EPR, hein, parce qu'il y a des projets qui sont en cours. Et on comprend que les populations locales n'aient pas forcément envie que ça se développe, mais en même temps, quelle autre solution? C'est très complexe comme situation. Oui, il peut y avoir un conflit entre une logique locale et une logique
globale. Cependant, il me semble que ce problème, c'est que on a une sorte de paradoxe, c'est qu'on a des défis qui sont des défis globaux, du type réchauffement climatique, qui sont complètement interconnectés et internationaux, et on a des leviers d'action politique qui sont toujours locaux en réalité. C'est-à-dire que le moins local qu'on est, c'est la nation, peut-être l'Europe, c'est peut-être l'UNESCO, l'ONU, mais certaines instances intergouvernementales, mais en tout cas, il n'y a pas un État mondial qui pourrait décider d'une diminution des gaz à effet de serre. Donc on voit que cette question d'échelle, elle est importante. Et après, qu'est-ce qu'on privilégie ? Est-ce qu'on se dit qu'on doit privilégier une logique descendante, c'est-à-dire en fait qu'il faudrait quasiment créer la structure politique qui n'existe pas, qui serait l'État mondial, pour ensuite pouvoir agir? Moi, ça me fait un peu peur, cette solution, puisque j'y vois quelque chose de dirigiste qui ira forcément dans le prolongement d'une logique un peu impérialiste. Ou alors on se dit non, il faut avoir une vision un peu plus démocratique et se dire que c'est des initiatives locales et de leur agglomération, de leur addition, que vont naître les dynamiques d'ensemble. Ce qui me rassure dans la seconde version, même si elle paraît plus modeste, c'est qu'elle me paraît démocratiquement, démocratie compatible. Voilà. Mais on ouvre sur un débat qui pourrait nous prendre encore une heure et demie. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette conférence et d'être resté, sachant que...